c'est par rapport au confinement qui est en train d'être prévu là dans une semaine, ou c'est dans deux semaines. Moi j'ai un truc à dire dans ce pays-ci. Ce pays où nous sommes tous des Camerounais. Et il n'y a pas de super Camerounais. Même quand certains Camerounais se fabriquent des super Camerounais. Mais ce pays nous appartient tous. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a les Camerounais ici au pays. Que on peut même confiner pendant 1000 ans. Ça ne bouge pas, ça ne touche pas. C'est nous les macabos. Quand je veux macabos, excusez-moi le terme parce que je prends le terme de la route. Nous les pauvres, c'est nous qui voyons le feu dans cette histoire de confinement là. C'est nous qui voyons le feu. Parce que il y a les Camerounais aussi que les frigos sont pleins. Ils peuvent faire 3 siècles de confinement. Ça ne les dérange pas. Nous les macabos, qui vivons jour le jour, ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai 1000 francs. Demain même, je ne sais pas s'il y aura encore les 1000 francs. C'est nous qui souffrons dans toute cette histoire. Les pauvres sont tellement nombreux que je ne sais pas quoi dire. Mais je vous dis seulement que ce pays, avec ses amis, ces gens qui passent leur temps à se moquer des autres, comme s'il y avait Dieu Cameroun. Où le Cameroun A domine le Cameroun B. À tout moment, on fabrique le confinement, on fabrique le confinement, on parle de corona, parce que moi je trouve que c'est un business. C'est un business qui sont en train de faire et on connaît. On connaît que c'est un business. Et restez avec votre business. Laissez-nous tranquilles dans vos histoires de business. On sait ce qui se passe. Et je suis sûr certainement que bientôt, vous allez nous proposer le vaccin. Vous allez nous proposer le vaccin. Un vaccin bidon, parce que c'est comment ça va se passer. Vous allez dire ceci. Celui qui veut avoir un travail quelque part doit d'abord présenter son papier pour la vaccination et tout le reste. On sait comment ça va se passer pour obliger les gens à faire les vaccinations. Alors votre business, nous on sait ce qui se passe. Arrêtez, laissez les gens qui se débrouillent dans le petit quotidien se battre. Faites vos affaires avec votre OMS. Dans le reste, là, j'ai tellement dit qu'il est mieux de laisser les autres de pouvoir parler. Mais je vous dis seulement que vous qui lancez les confinements de gauche à droite, vous êtes capable de vivre 5 siècles. Ça ne va rien vous faire. Mais nous, on voit le feu. Donc vous laissez vos histoires là.